Bermigeoise, Bermigeois, bonjour. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas droit aux habituelles festivités. C'est bien triste, mais ce l'est encore plus pour tous ces gens qui ont été emportés par ce terrible virus. Ce 24 juin, nous nous souviendrons de ceux et celles à qui nous devons tant. Le courage des colons, des bâtisseurs, des explorateurs, des patriotes qui ont travaillé très fort à bâtir un Québec où il fait bon vivre. Et j'ajouterais aussi que nous devons beaucoup aux préposés, aux bénéficiaires qui, au détriment de leur vie, ont essayé de sauver d'autres vies. La fête nationale de cette année, très différente des années antérieures, sera un moment pour prendre du temps avec votre famille, les amis et célébrer notre fierté d'être Québécoises et Québécois et pour le courage qui est le nôtre. La fête nationale de l'an prochain en sera une de joie et de célébration parce que je suis certaine que nous aurons ensemble passé au travers de ce contexte difficile. Je souhaite que malgré ce que nous vivons, vous ayez le cœur à la fête, tout en suivant les consignes sanitaires. Alors, restons forts et unis et je vous souhaite une bonne fête nationale. Et en passant, je voudrais vous signaler qu'à 20h45, vous aurez un spectacle du groupe, un spectacle virtuel, bien entendu, Jamais 203, qui vous sera présenté parce que c'est notre groupe à nous, les Bermigeois, Bermigeoises, parce que, comme vous savez, ça fait quand même plusieurs années qu'ils étaient présents à notre fête nationale. Alors, nous allons les accueillir et ils ont eu la gentillesse de nous faire un peu un extrait des spectacles qu'ils nous donnaient à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. Alors, merci beaucoup à tous. Chers amis, je veux aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer un spectacle virtuel que le groupe Jamais 203 a monté pour nous, spécialement pour nous. Et merci à tout le monde pour le temps qu'ils ont pris à monter ce spectacle. Et je voudrais en même temps remercier tous les bénévoles des loisirs, tous ceux qui sont ici ce matin pour essayer de faire un montage qui va paraître sur Facebook et qui va, vous indiquer comment on est fiers d'être Bermigeois, Bermigeoise. Et en même temps, je voudrais remercier pour les pièces au violon, qui ont été jouées au violon, par Raphaël et Richard. Alors, un gros merci aussi à eux qui se sont présentés ce matin et qui nous ont offert ces belles pièces. Merci et bonne fête nationale à tous.